les accès de l'église. Normalement, sont fermés en fait. Vous avez la cahute là. Et alors, vous payez là, vous passez et vous marchez genre tout le long jusqu'à l'église. Ensuite, vous faites demi-tour. Et ça, ça coûte 4 euros ça. Voilà. Mais genre, je fais pas 4 euros pour littéralement faire 500 mètres quoi. C'est pas possible. Ce qu'on est censé voir avec les montagnes, et ça c'est ce qu'on voit actuellement, c'est un échec. Et si les gens doutent qu'il y ait une montagne bien derrière, regardez, en effet il y a une montagne. Oh, un petit bouquet là. Bon, vu que on va essayer de passer le temps pour faire en sorte de peut-être voir un petit peu plus de montagnes derrière ce lac, on va faire le tour. Il existe plusieurs randonnées. Il me semble qu'il en a trois principales autour du lac. La plus petite durant environ 30 à 40 minutes maximum, mais ça vous permet de faire le tour du lac, de voir les différentes couleurs et reflets à sa surface. Il faut savoir que sur internet, j'avais lu sur un blog que depuis quelques années, le lac s'était vachement asséché. Il faut en fait savoir que le lac ne s'assèche pas au fur et à mesure des années, mais simplement des saisons. C'est-à-dire que le lac sera beaucoup plus rempli au printemps et en été qu'en automne. En automne, c'est d'ailleurs le moment où il est le plus sec, parce que le fond en fait du lac est poreux. Entre le printemps où la profondeur du lac peut atteindre 17 mètres et l'automne où le lac peut atteindre 5 mètres, on est quand même sur une grosse différence. Et fun fact supplémentaire, il faut savoir qu'en automne, ils attrapent les poissons du lac et ils les mettent ailleurs. Faut pas que les poissons meurent, étant donné que le lac il est pas très profond quoi. On dirait que genre, tu sais, on est comme dans un jeu vidéo et la map elle charge pas genre. Tu vois, genre, ça rame. C'est pas possible quoi. Bon, si vous vous posez la question pourquoi on va pas faire les Alpes d'Issuissy, parce qu'en fait, ça c'est le téléphérique qui y mène. Voilà. Et en fait, on voit rien du tout. Comment on se retrouve? Nous sommes mercredi matin et je suis de retour. Comme on peut le voir par ce chouette cadre, le temps en Italie en fait n'a fait que se dégrader et les prochains jours annonçaient des orages assez violents avec, je cite, risque pour la vie. Donc étant donné qu'on n'avait aucune visibilité, que beaucoup de nos randonnées qu'on souhaitait faire demandaient d'avoir un temps assez sec, on était un petit peu mal parti étant donné qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir. Et donc du coup on a pris la décision tout simplement d'annuler le reste du voyage et de rentrer en Allemagne, là où il fait aujourd'hui actuellement 28 degrés. Donc bon, on n'est pas du tout sous les mêmes températures vu qu'au Dolomite on en avait 12. Donc voilà, je m'excuse pour ce manque de contenu, ce sera pas forcément ultra intéressant. On était censé faire les Dolomites, au final on a à peine fait le Tyrol et le Sud Tyrol, donc bon. Ça arrive, c'est comme ça, et c'est la raison pour laquelle je dis toujours, s'il vous plaît, prenez des hôtels avec réservation annulable. Pourquoi? Parce que quand vous tombez sur ce genre de hic, vous pouvez tout simplement reprévoir un autre voyage dans la même région, plus ou moins, ou descendre un petit peu, ça dépend. Trouver une alternative un petit peu plus sympa. Nous on était bien évidemment en voiture, donc on a tout simplement décidé de tout annuler et de retourner en Allemagne. Mais voilà, ça m'ennuie juste un petit peu parce que forcément j'aurais bien voulu voir tout ça. C'était vraiment une destination qui m'intéressait depuis plusieurs années. Mais bon, au bout d'un certain moment, faut pas forcer le destin, faut pas non plus se mettre en danger. Les randonnées avec le chien quand il drage, c'est pas non plus la meilleure chose à faire. Donc je pense que la décision la plus sage était tout simplement de rentrer, même si ça vous fait un petit peu moins de contenu pour vous. Je pense que je vais quand même monter ce qu'on a fait et je le posterai, ce sera un travel fail parce que ça arrive. Heureusement on a pu annuler toutes nos chambres étant donné que j'avais annulation gratuite, donc je n'ai pas perdu d'argent. On a également éventuellement pensé descendre un petit peu plus et de rebooker en fait un trip dans les alentours de Venise, Padova et tout ce qui s'ensuit, sauf que la météo était tout aussi mauvaise, surtout qu'en plus la voiture à Venise c'est un peu complexe parce que tu peux pas garer ta voiture à l'intérieur de Venise, tu es obligé de la garer dans des parties extérieures, laisser les clés sur la voiture parce qu'ils peuvent potentiellement la bouger en cas d'inondation. Enfin bref, chose sur laquelle j'étais pas forcément très
très à l'aise de laisser mes clés dans ma voiture. Donc du coup voilà, on a décidé de rentrer en Allemagne. Monsieur peut faire les formalités qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas souvent le temps. Et on profitera à mon avis de faire 2-3 activités ici en Allemagne. J'ai déjà regardé à 2-3 trucs qui pourraient être sympas. Je sais pas si je filmerai, mais en tout cas, bah, ce vlog malheureusement du coup s'arrête ici. On préfère voir le bon côté des choses et de se dire que bon, c'est un voyage raté, mais au moins ici on a du bon temps. Et ça c'est le principal. Faut quand même dire que ça m'est arrivé très peu souvent d'avoir de mauvaises expériences en voyage, donc bon, c'est pas grave, on reprendra notre revanche sur l'Italie, à mon avis en septembre, et je suis sûre que cette fois-ci ça se passera beaucoup mieux. En attendant, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo voyage, probablement, en espérant que cette fois-ci ce ne sera pas un fail.